Les autres ondes comme ça. Where? She's waiting.
Good evening, everybody. Bonsoir. We're going to start in just a few minutes. Like to make a few housekeeping announcements. If anyone needs the bathrooms, you just go out the main door and turn to the right, and you will find them. In case of an emergency, there are two emergency exits. One, the door that you came in, and there's another door over on that side. Again, we're going to be starting in a couple of minutes. Alors, merci d'être venu. Si vous cherchez, monsieur, madame, les toilettes, vous pouvez sortir par la porte primaire ici et tourner à droite. Et nous avons des issues de secours côté gauche et côté droite. On va recommencer. On va commencer l'événement dans deux minutes. Merci. In the war room or the NCC. Important decision that I've made there. Oh, yeah. Let's cut that through. Bonsoir, mesdames et messieurs. Please come and take a seat. Good evening, bonsoir, kwe kakina. Welcome to the Capital Urbanism Lab. Everyone with us here tonight in the lab and those watching the live stream on YouTube. My name is Mark Christmanson. I'm the Chief Executive Officer of the National Capital Commission. I'd like to begin by acknowledging that we are here on traditional Algonquin territory. May we all respect these lands and these waters. I'd like to welcome our chair, Russell Mills. We have also guests here from the office of Catherine McKenna, Member of Parliament for Ottawa Centre, from the Department of Canadian Heritage, the City of Ottawa, and the Ville de Gatineau. So thank you all for coming. We appreciate it. Everyone who's coming in, there are seats over on the on this side. It's filling up on this side, but there are seats over here. And it's great to see another full house or close to full house here at the Urbanism Lab. I'm very delighted with the response to this series. Je suis très heureux que le labo soit devenu ce que nous espérions, un lieu de rassemblement animé pour une collectivité
qui se passionne d'architecture, de planification et de design urbain, de durabilité et d'autres éléments qui contribuent à bâtir une grande capitale. This is our last Urbanism Lab event for 2016, and it's been a great year. We've covered a lot of ground, a lot of topics. I'd also like to introduce Victor Brunet from the board of the NCC, who's joining us. Thank you, Victor. It's been a great year. We've had many topical events, and I won't go through them all now, but with many distinguished guests. And we'll have sessions after Christmas exploring excellence in urban design, the planning of parks, youth engagement in the capital, and heritage preservation. And later in the spring, the plan for Canada's capital 2017 to 2067, in a sense the Grébert plan for the 21st century, will be launched right here in the Urbanism Lab, and maybe we can have a party for that one. But all that's still to come, and I want to turn to tonight's theme, natural capital, and the introduction of our guests. I said to Jérôme before we started that it was a couple of years ago that I spoke with Meg Beckel, the CEO of the Museum of Nature, and we got talking about natural capital, and then I read Dieter Helm's book, and we got very excited about this. So the study that we released yesterday and that we're going to talk about tonight sort of results from, an avenue of interest that will grow here at the Commission. I'm wondering how many of you have visited an NCC green space in the past year? Almost everybody. So that could be Gatineau Park, the Greenbelt, the shorelines of the capital, one of the NCC's 13 urban parks, the Mer Bleue. I could go on. We have a vast array of such assets. How many would have visited one of our green spaces every month? Almost everybody. Every day? Yeah, even a few every day. So that's wonderful, because and it shows that we have many people here who already understand the intrinsic value of these assets. And in less than a month, when 2017 is on us and the sesquicentennial celebrations begin, this will be one of the four pillars of the federal government's approach to the celebrations. Les trois premières sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada, et la jeunesse, des thèmes qui ont déjà leur importance dans tout ce que nous faisons à la CCN. The fourth theme for 2017 is the environment, and this, of course, also resonates with the NCC as the planner and the steward of Canada's capital. And as the capital's planner, it falls to the NCC to take a very long view to make sure the capital remains environmentally sustainable over an horizon that we measure in decades and even generations into the future. As steward of the capital, the NCC's responsibility is to protect and preserve the green spaces of the capital. And that's why we rehabilitate shorelines, we encourage environmentally sustainable urban design, we support biodiversity through research, et nous incitons nos partenaires à mettre en œuvre des politiques et des processus plus écologiques, et en travaillant fort pour réduire notre propre empreinte à carbone. So with environmental health and sustainability a top priority, we'll be aligning with the government's vision, and I think the report that was released yesterday on the natural capital of the capital region, prepared in collaboration with the Université du Québec en Outaouais and the David Suzuki Foundation, is really a milestone in our approach to the environment. And I'd like to thank the Université du Québec en Outaouais, Jérôme, and the Suzuki Foundation for this terrific partnership. The data contained in this report will be of vital importance for the NCC going forward because of the clear metrics and the foundation it provides for wise policy. L'information contenue dans le rapport de la capitale naturelle appuiera le processus décisionnel de la CCN alors que nous continuerons de protéger et préserver le patrimoine naturel de la capitale pour les futures générations. And I think what's interesting about this approach is that it's a pragmatic approach that does allow for development. It allows for land uses that will create incursions on the natural environment, but it gives us an intelligent basis upon which to do so. It's going to help us establish that threshold of sustainability, to understand that threshold that will be required for the long-term future of the capital. And I hope it will guide us when we do have to sometimes make very difficult decisions
about land use. I know there's a conference coming up on natural capital in Stanford in May that's going to also look at the value of natural capital as it affects wellness. And I think this is a value we're not yet talking about in this study, but we can imagine the mental and physical health benefits provided by the green assets of the NCC, and I think this is a subject of worthy of further study. I think it's a great contribution of the NCC to the capital, to the wellness of the capital. We're joined tonight by some very distinguished speakers to help us develop these themes. C'est un grand plaisir de vous les présenter. Stephanie Cairns is Director for Cities and Communities for the Smart Prosperity Institute, a think tank focused on the green economy based at the University of Ottawa. She spent two decades on the cutting edge of thinking about the intersection of the environment and the economy and has been a policy advisor in the Prime Minister's office. A past chair of the board of the Canadian Parks and Wilderness Society, she also founded the Green Economics Program at the Pembina Institute. She's been a member of the President's Advisory Council of the Royal Society of Canada and recently a member of the Alberta Climate Change Advisory Panel. Karel Meyron is the David Suzuki Foundation's Director General for Quebec and Atlantic Canada and President and Chair of the Canadian branch of the former U.S. Vice President Al Gore's Climate Reality Project. He's advised a former Premier of Quebec as well as a series of United Nations agencies on matters of sustainability and co-founded the Unisfera International Center, a think tank devoted to these issues. He's also the author of several books, including The Manifesto for a Sustainable Quebec. Et Jérôme Duprat, professeur au département des sciences naturelles de l'Université de Québec en Outaouais et chercheur à l'Institut des sciences de la forêt temporée. Professor Duprat is a noted expert in the valuation of ecosystems of services, and his work on the subject has earned him the Governor General's Academic Gold Medal, one of Canada's most prestigious academic awards. He is the lead author of the NCC's Natural Capital Report. So I'd like to ask you to welcome our three panelists. And with that, Stephanie, I'll turn it over to you. Thank you. And let me start by saying it's a great pleasure for me to be back in Ottawa. I live out on the West Coast now. And I have to say that when I think of Ottawa, I don't think of all the dreadful, stressful time I spent on Parliament Hill doing the great work of the national capital, but I think of the wonderful time that I spent in Gatineau Park skiing by the moonlight or skating on the canal, and that's very much the image that I keep in my heart of this wonderful place. So my role on today's panel is to orient you to some of the very basic concepts and terminology about natural capital. And this is background that you're going to need, I think, to follow the more detailed explanation of the study that will be given by my fellow panelists. So let's start by looking at the concept of natural capital and how it relates to basic concepts in economics and how it's become an emerging field in economics. So as we all know, capital is a fundamental concept in economics. We talk about financial capital, which we all need to operate our households. We need it to run a business. Governments need financial capital in order to run their businesses. We also talk about physical capital, and financial wealth can be used to create physical capital, such as the factories which do our manufacturing, machinery and infrastructure for our natural resource industries, or our homes and the buildings that we live in, the public works which make urban centers operate smoothly. And recently, we're also starting to put a lot more investment into human capital. So human capital is also key to creating wealth. Skills, knowledge, and experience in the workforce are a big part of what makes for an advanced society, not only in the trained workforce, but also in the unpaid volunteer workforce, which runs so much of our society. But until fairly recently, economics has had a quite simplistic approach, I'd have to say, to the third factor of production, which we are now calling natural capital. Some elements of natural capital, land and natural resources, sure, they had been part of how we talked about the factors of production and economics, but those are only a very small slice of what we're now talking about when we talk about natural capital.
Many other elements are only now beginning to be understood, and we're only starting to have new methods of economic assessment to understand the value of these other parts of capital. So, a big part of what we're looking at tonight is what is the value of nature? At its core, the discipline of economics is about the study of supply and demand, particularly in the context of scarcity. And for a very long time, the field of economics held to the assumption that the supply of natural capital was infinite and inexhaustible, or that at least natural capital could be infinitely substituted by other forms of capital. And in that context, it was legitimate in the field of economics to ascribe a value of zero to natural capital. But a United Nations initiative at the turn of the millennium really started to shift this, and this was really the beginning of us starting to get more formal incorporation of economics. The Millennium Ecosystem Assessment was a major five-year effort involving over 1,300 international scientists to analyze the reliance of humans on nature and to assess trends in the planet's stock of natural capital. And it established a new framework for linking nature directly to human well-being, the basis for the natural capital approach, which I will be introducing you to. It identified 24 categories of benefits that humans receive from ecosystems. And this assessment found that 15 of these 24 benefits were either deteriorating or overexploited on a global scale. In other words, we were starting to encounter scarcity. The Millennium Ecosystem Assessment also concluded that over the last 50 years, humans have changed ecosystems more rapidly and more extensively than at any comparable period of time in human history. Human use of natural resources has been unsustainable since the middle of the last century. Now, a major outcome of the Millennium Ecosystem Assessment's framing of scarcity was a new interest among economists in how to assess the value of nature in economic terms, so that the importance of nature could be more easily integrated into decision making. A major initiative that followed the Millennium Ecosystem Assessment was called TEEB, the Economics of Environment and Biodiversity. And the leader of TEEB, a brilliant man from India called Pavan Sukhdev, quotes, to quote him, "We are still learning the nature of value as we broaden our concept of capital to encompass human capital, social capital, and natural capital. But we are still struggling to find what is the value of nature. Nature is the source of so much value to us every day, and yet it mostly bypasses markets, escapes pricing, and defies valuation." So let's look at some of the underpinning concepts for these approaches. A vast web of complex biological, chemical, and physical processes supports all life on Earth, plants, animals, and humans, and also deeply influences the quality of human life on Earth. This is what we call natural capital, the stock of natural assets, which includes geology, soil, air, water, and all living things. It includes both renewable and non-renewable resources, which would have been included in traditional economics, but also so much more. And it is from this natural capital that humans derive a wide range of services, which we call ecosystem services. And these ecosystem services are what make human life possible. So let's go back to our financial capital metaphor. Just as with financial capital, if we spend too much of our savings, we run up debt, and if left unchecked, will result in bankruptcy. With natural capital, when we draw down too much of our stock from our natural environment, we also run up a debt. And that debt needs to be repaid. For example, by replanting a forest that has been clear-cut, or allowing fish stocks to replenish themselves if we have overfished.
If we keep drawing down on the stocks of natural capital without allowing or encouraging nature to recover, we run the risk of local, regional, or even global ecosystem collapse. Now, people benefit from natural capital in many, many ways. Some of those ways are visible, some of them aren't. They aren't. But we depend on natural capital for basic survival and daily well-being. All societies and all communities will suffer socially, economically, culturally, and spiritually from an unsustainable use of natural capital. But those who depend most heavily on nature for their livelihood and employment, subsistence farmers, fishers, the rural poor, indigenous and traditional societies, face the earliest and most severe impacts from the collapse of natural capital. And this is one reason why we see such interest in these concepts from international development agencies and the United Nations. Now, embedded in natural capital is also a concept related to financial concept, which is the concept of ecosystem services. Just as with our finances, if properly managed, financial capital will yield dividends, and the prudent investor will live off dividends without eating into capital. Similarly, natural capital yields a flow of natural resources or goods and natural services over time. These flows are what we call ecosystem services. And ecosystem services are the outcome of the really large systems and functions of ecosystems, biological, geochemical, physical functions such as climate regulation, pollination, nutrient regulation, soil formation. Each of these functions is often involved in providing several services to us and is often relevant at many scales, at a local scale, at a regional scale, and at an international or global scale. Ecosystem services have been calculated to provide, at one estimate, 2 times as much value as all the goods and services produced around the world every year. So a major ratio in terms of value to humans. Now, how on earth do we come up with that type of a figure, and what are we calculating when we look at that figure? So the Millennium Ecosystem Assessment classified ecosystem services into 4 main categories. The first of these is provisioning services. These are the most obvious ecosystem services for us. The food we eat, the water that we drink, the plant material we use for fuel, for medicines, for building materials. And most of these services are already bought or sold in the market economy. So their value can be readily estimated through market prices. And this is the type of service that traditionally economics has been most engaged in. But the concept of natural capital has 3 other types of services embedded in it. The next category of service is what we call regulating services. These are less visible for most of us until they stop working. This category includes the natural processes, such as climate regulation by the atmosphere, natural flood control by wetlands and forests, carbon storage in peatlands, or the pollination of crops by insects. So to estimate the economic value of these services, we look at one using one of 2 approaches. We can look at their replacement value. For example, what would be the cost of building and operating a water treatment plant to replace the water cleansing properties of a wetland? Or we can use a different method, looking at the damage cost. What would be the cost, for example, to the fruit industry if pollination were to fail? Or what would be the cost of flood damage to a city if the forest in a watershed was clear-cut and flood protection failed? Damage cost is, in fact, the basic method for underpinning calculations of the costs of climate change, known as the social cost of carbon. So those are regulating services. What about other services? People don't only use physical products from nature. They also appreciate it for its simple existence in many intangible ways. This category of ecosystem services is called cultural services. It includes the service of nature for recreation
and tourism, but also for mental and physical health, aesthetic appreciation, and inspiration for culture, for art, and for spirituality. Now, the economic value of some of these economic services, of some of these ecosystem services, can be estimated by looking at spending on related goods and services. For instance, what is the spending in an area on recreation or on ecotourism? Or you can look at how proximity to, say, a park affects the relative value of a house. We know that housing has a greater value if it's close to a green space than it's, if it's in a pure urban center. Sometimes there's neither a direct or an indirect way to calculate the value of these services, and an alternative approach is to use survey techniques, asking individuals how much they would be willing to pay, for example, to have polar bear populations still exist 200 years from now. And there are economic methods to try to take that information and turn it into dollars. The final category of services is supporting services. These are services that support the basic function of ecosystems, such as habitat diversity, primary production of biomass, and nutrient cycling. They are probably the least visible to us, but the most fundamental to all life on Earth. The economic valuation of these services is much harder to do, and it's usually done by transferring values derived by averaging a number of in-depth scientific studies done at other sites and using understood protocols for how to calculate and transfer values between different locations. So by estimating the value of these many types of ecosystem services, we can start to tabulate what are called ecosystem benefits. So this is, what is the improvement in human well-being provided by this flow of ecosystem services? And this is expressed in an economic value. Now, I want to take a step back from this slightly theoretical context and get to some of the ethical issues that are raised by this approach. Ultimately, I think we will all agree that nature is priceless. It's particularly hard to put a dollar figure to some aspects of nature. For example, the value of maintaining a healthy planet for future generations, or the value of simply knowing that somewhere there is a serene landscape with thousands of migrating caribou that are still there. How on earth do you put an economic value to that? And there are also legitimate ethical questions about reducing the wonder of nature to a dollar figure, and very significant strategic questions about the risk of commodifying some values. So putting a value on carbon, for instance, when other values such as biodiversity are not also being valued in markets. If you start to do that, does it mean that all of your programming and decision making is going to be biased towards the ecosystem services that are being valued and commodified? So these are all very, very legitimate issues. However, while nature may be priceless, it is not valueless. And the approaches that have just been listed allow at least some of the value of nature to be considered in the language of economics and allows the degradation of natural capital to be understood not only as an ecological liability, but also an economic liability and a social liability too. Now, in the brief time I have left, I want to give you just a couple of ideas about how these ideas are being put into practice. I know that my colleagues are going to talk a bit more about some of the specific examples in Canada. So I was going to cover a couple of other examples. I'd like to talk about a national level initiative in Norway. Norway is one of the leading jurisdictions when it comes to using national capital as a measure of economic sustainability. Norway's main concern and their political commitment is to preserve its natural resource wealth for future generations. And a portion of the revenue from their natural resources go into a sovereign wealth fund. This wealth fund now has a value of $873 billion and holds 1% of global equity markets. So that's what they've done with their primarily oil wealth. Their sustainable development strategy outlines that the country's natural capital decrease, any decrease in natural capital, must be offset by other increases in other forms of wealth.
So if you look at the graph here, Statistics Norway reports regularly on the total national capital of the country. And in this context, they include human capital, renewable natural resources, non-renewable natural resources, produced capital, and net financial capital. While this example is not using the full economic value approach to of ecosystem services, it is nonetheless a more balanced tracking of what constitutes the true capital of a nation, and it's an interesting approach to look at national wealth and how it shifts between different categories over time. Another example is from the US. A year ago, the White House directed federal agencies to factor the value of natural capital and ecosystem services into federal planning and decision making. Now, the actual systems for doing this are still under development, and I can assure you that that directive created quite a bit of rumple in U.S. agencies as they start to figure out how to interpret it. And who knows if this initiative will survive the Trump administration. But it does show the trend of integrating ecosystem service economics into policy processes, even if it proves only to be a high watermark for the moment. And the final example that I want to give is one that I am closely involved with, along with a colleague from the David Suzuki Foundation, called the Municipal Natural Asset Initiative. And in this initiative, we're aiming to equip local governments across Canada with the tools needed to identify and account for natural capital at the community level, as well as best practice guidelines for how to connect that knowledge of natural capital to how they are doing infrastructure asset management at the local level. So the idea here is that local governments across Canada are facing many asset management challenges, and many of them at the same time are implementing infrastructure asset management systems. And these are systematic approaches to inventorying their infrastructure assets, identifying what maintenance and replacement cycles are needed. And this is a really important tool that's driving budget allocation and infrastructure investment decisions in municipalities across the country. What's interesting for us is that the emphasis in this new approach is on delivering resilient and efficient municipal services. And this results-driven approach means that it doesn't matter whether those services come from a natural asset or a built, engineered asset. However, there's one class of assets that local governments are consistently under accounting for, their natural capital or their natural assets. So we are working with them to define municipal natural assets that they have in their region and to figure out using replacement value costs what will happen, what the cost will be to their infrastructure needs if they erode the natural assets that they currently have in their municipality, or in fact, would it be a better choice for them to restore some of their natural assets rather than building gray infrastructure? This approach has been developed by the small but very innovative town of Gibsons on BC's Sunshine Coast, and we are now piloting it in 5 other communities across the country. So to finish up, in closing, why is natural capital so important? Well, as we discussed, natural capital, like every other form of capital, we need to figure out a way to keep supply and demand in balance. If we extract too much from nature or cause environmental damage, we'll degrade our natural capital and we'll put our well-being and our economy at risk. So thank you. This was just an introduction to the more complex conversations that my colleagues are going to have. Thank you. Thank you, Stephanie. I just want to remind everybody there will be an opportunity to ask questions of all of our speakers at the end, so jot down your questions and we'll be sure to try to get to them at the end. And I, for one, appreciated the basic introduction because it will get more complex from here. So are we ready with the slides?
We're just going to switch over presentations here. Our next presenter, of course, is Karel Meyrin from the David Suzuki Foundation. Thanks. Thank you, Stephanie. I must say this is probably the best presentation on natural capital ecosystem services I've heard. No offense, Jerome. but it was really clear, and it's very difficult to explain these concepts and also talk about the ethical issue of assigning value on nature, which sometimes people will, rightfully challenge. But assigning zero value is no longer an option. So this is why we started working on natural capital and ecosystem services a few years back at the foundation, at David Suzuki Foundation. And so our belief at the foundation is that we are part of nature and we are interdependent with all the living things, the natural system that provide for us, that allow us to live, actually. And when you look at the world this way, you look at nature very differently, and you look at the way we use nature very differently also. And David Suzuki always says ecology and economy come from the very same Greek root, which is ekos, for the house. But ecology is understanding the house. Economy is managing the house. So if you don't understand the house, how can you manage the house? And he says we need to put the eco back into economics. And I think that's, the task that's upon us. I don't know if I should continue this presentation in French or English. I'll try to continue in English. Oui? Okay. Okay, on va y aller comme ça. Donc, à la Fondation, à partir de 2011-2012, on a commencé à travailler sur le capital naturel dans trois régions du pays. Donc, dans la région de Vancouver, ici, avec ce qu'on appelle Lower Mainland, la région, l'estuaire du fleuve Fraser, puis aussi sur la valeur des écosystèmes ou des services écosystémiques dans les régions côtières. On a aussi travaillé dans la région de Toronto sur tout ce qu'on appelle le Golden Horseshoe, dans le fond, la ceinture verte la ceinture verte de Toronto, et aussi le parc national de la Rouge, dans la région de Toronto. Encore une fois, toujours dans l'optique d'essayer de documenter les services écologiques qui sont fournis par les écosystèmes dans les régions urbaines, les grandes régions urbaines du pays, de manière à les rendre visibles, faire comprendre aux décideurs comment on doit les protéger et qu'est-ce que ça rapporte à la collectivité. Et le dernier est celui dont Jérôme va vous parler plus tard, celui sur la ceinture verte ou le réseau vert de la capitale nationale. Et comme j'ai travaillé de façon beaucoup plus approfondie sur le cas de Montréal, je vais vous présenter un petit peu de quelle façon on a utilisé ce travail-là dans la région de Montréal pour permettre de changer un peu la manière dont on gère dont on approche les milieux naturels dans la région. Alors, à Montréal, on a fait, dans un premier temps, deux études. Une étude pour délimiter le territoire de la ceinture verte du Grand Montréal parce que cette ceinture-là n'existe pas vraiment. Il y a la communauté métropolitaine de Montréal, les 82 villes qui se sont donné un objectif d'établir une trame, donc un réseau vert et bleu pour protéger les milieux naturels. Mais, comme vous savez comme moi que la nature ne respecte pas les limites administratives de nos villes. Et donc, on a réfléchi à établir un périmètre d'une ceinture verte pour le Grand Montréal qui serait basée sur les caractéristiques écologiques du territoire. Puis ensuite, sur la base de cette première étude-là, sur le territoire de la ceinture verte que nous avions identifié, on a fait une étude sur le capital naturel pour mesurer quelle est la valeur des biens et services qui sont fournis par les milieux naturels du Grand Montréal. Le Grand Montréal
est la région du Québec qui a la biodiversité la plus riche de toute la province et aussi la région où la moitié des espèces menacées du Québec se retrouvent. Donc, les pressions sur la nature sont très importantes. Pourquoi? Bon, on a aussi les meilleures terres agricoles du Québec dans cette région-là. On a un grand fleuve, un chapelet d'îles, plusieurs rivières. La moitié de la population du Québec. Et donc, le défi, c'est de faire coexister la nature, l'agriculture, la ville, l'eau, faire coexister d'une façon harmonieuse ces divers usages-là du territoire, et incluant ceux des écosystèmes. Et donc, le défi est très, très grand. Et jusqu'à maintenant, comme on avait donné une valeur pratiquement nulle aux milieux naturels, les milieux naturels ou les terres agricoles dans la région de Montréal, où c'est pareil pratiquement dans toutes les régions urbaines du monde, sont souvent considérés comme étant des terres, des territoires en attente d'être développés au moment où l'étalement urbain va se rendre à eux. Et donc, il y a eu la protection du territoire agricole qui a été faite il y a une quarantaine d'années partout au Québec, mais particulièrement dans la région de Montréal, qui fait qu'on a conservé une ceinture agricole. Mais la protection des milieux naturels, elle, a été très peu appliquée, ce qui fait qu'on a perdu la plupart des milieux naturels, presque toutes les forêts, la quasi-totalité des forêts primaires de la région, une très grande partie, plus de la moitié des milieux humides. Alors, vous voyez un peu, l'étalement urbain a eu un impact très important, et on se retrouve aujourd'hui avec des milieux naturels qui manquent de connectivité entre eux, qui souvent ne sont plus suffisamment, une superficie assez grande pour pouvoir assurer le maintien des services écosystémiques et des espèces qui dépendent des écosystèmes. Alors, vous voyez ici le territoire de la ceinture verte du Grand Montréal, tel qu'on l'a défini. Je vous disais tout à l'heure que la nature ne respecte pas les frontières administratives, mais malgré tout, notre ceinture verte finit à la frontière des États-Unis et à celle de l'Ontario. Il fallait s'arrêter quelque part, mais donc, normalement, devrait continuer aussi un petit peu plus au sud et à l'ouest. Vous voyez en jaune, ce que vous voyez en jaune, ce sont des terres agricoles. En vert, ce sont des boisés. Et en gris, les zones urbanisées. Alors, vous voyez qu'il reste quand même peu de régions boisées, et souvent on a les petits ronds verts que vous voyez sont des montagnes, en fait les montagnes montérégiennes, donc qui sont des îlots de biodiversité qu'on doit reconnecter ensemble pour pouvoir permettre justement avec les corridors, permettre à la biodiversité de pouvoir continuer de subsister et éventuellement aussi de s'adapter aux impacts des changements climatiques. Donc, c'est notre territoire, évidemment, qui est conditionné par la grande ville de Montréal, le fleuve Saint-Laurent et ses affluents, l'agriculture, la nature et 3 millions et un petit peu plus de 3 millions de personnes. L'étude sur la valeur des biens et services naturels des écosystèmes que nous avons faite a établi la valeur à 4,29 milliards. Donc, et tout à l'heure, Jérôme va vous présenter ceux de la ville, de la région ici, de la capitale nationale. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de quels sont les services et quelles sont les valeurs à l'hectare de différents milieux naturels. Je suis certain que Jérôme va en parler tout à l'heure. Mais c'est évident que quand on a sorti ce chiffre-là, pour beaucoup de gens à Montréal, ça a été une révélation comme quoi il y avait une valeur de services, particulièrement les services récréotouristiques, la prévention des inondations, l'habitat pour la biodiversité, la séquestration de carbone, tous ces services-là étaient importants dans la région et donc il y avait une raison supplémentaire de protéger les milieux naturels. Dans la dernière année et demie, on a pivoté maintenant vers une nouvelle approche, c'est-à-dire sur la base de ça, on a décidé de commencer à parler d'infrastructures naturelles. Pourquoi? Parce que si les milieux naturels nous offrent des services, la protection des milieux naturels devient un investissement stratégique pour les villes de la même façon
qu'on investit dans des usines traiter les eaux usées, ou de la même façon qu'on investit dans les infrastructures routières. Bref, il faut considérer nos milieux naturels comme faisant partie de la ville et apportant une valeur à la ville. C'est particulièrement important dans le contexte des changements climatiques parce que l'adaptation au changement climatique, la résilience des villes au changement climatique, notamment en ce qui a trait aux vagues de chaleur qui vont être de plus en plus fréquentes, l'impact des vagues de chaleur sur la santé du public. Donc, la lutte aux îlots de chaleur va être importante. Ça passe par le verdissement urbain. La prévention des inondations ne passe pas uniquement par les infrastructures grises traditionnelles, les égouts, les tuyaux. Ça passe aussi par tout ce qui permet de revégétaliser les zones urbaines pour retenir les gouttes d'eau de pluie. La ville de New York a fait des avancées absolument spectaculaires là-dedans. Et donc, je voudrais simplement vous montrer une petite vidéo qui va vous démontrer. Alors, voici les changements climatiques. Pour moi, ça, c'est l'image la plus évidente de ce que les changements climatiques vont nous faire subir. C'est une inondation qui a eu lieu à Montréal en juillet 2012. Alors, si vous regardez les statistiques pour juillet 2012, vous allez voir que Montréal a reçu la même quantité de pluie que pour un mois de juillet moyen, à l'exception d'une chose. Il y a plus seulement 2 jours. Donc, on a eu 29 jours de sécheresse et 2 jours de pluie diluvienne. Et la variabilité climatique qui vient avec les changements climatiques va faire en sorte que, oui, on peut avoir vagues de chaleur, sécheresse, inondations dans un même mois et respecter les moyennes mensuelles, ce qui est pour la plupart des gens quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais alors, comment est-ce qu'on peut... Et vous savez qu'au Canada, en ce moment, la problématique principale pour les assureurs, c'est l'augmentation des pertes assurées pour inondation. Donc, les incendies, les vols, les autres causes de réclamation d'assurance sont stables ou en déclin, et les inondations, c'est une progression exponentielle. Donc, il y a lieu de s'inquiéter parce qu'on est au début d'une vague, si on veut, de changement climatique, et se prémunir contre les inondations, on va devoir investir de plus en plus, oui, dans les infrastructures traditionnelles, mais aussi dans les infrastructures naturelles. Alors, on a fait un autre rapport qui s'intitule « Les infrastructures vertes », mais maintenant, on n'utilise plus « infrastructures vertes » parce que le gouvernement fédéral fait référence à « infrastructures vertes » en parlant de transport collectif et d'autres choses. Donc, maintenant, on a changé la terminologie pour « infrastructures naturelles ». Pour démontrer que l'investissement dans nos infrastructures naturelles était un outil d'adaptation au changement climatique. Ces cartes-là, peut-être, sont un peu difficiles à voir, mais avec l'équipe de Jérôme, on a modélisé pour deux fonctions, c'est-à-dire la prévention des îlots de chaleur, donc le rafraîchissement du territoire, et aussi l'adaptation des écosystèmes, la possibilité pour les écosystèmes de s'adapter au changement climatique. Ici, on a la carte des priorités de conservation qu'on a établie pour le scénario de protection de la biodiversité ou d'adaptation de la biodiversité. Et plus c'est vert, plus la priorité de protection est importante, et plus on se dirige vers le brun ou le noir, moins les priorités de conservation sont importantes. Donc, on est capable de le faire à une échelle très élevée comme celle-là ou de descendre aussi à une échelle locale pour voir comment on peut le faire dans les villes comme telles. Ici, on voit la modélisation de la température de surface dans les zones urbaines dans la région de Montréal. Et vous voyez là où sont situés les îlots de chaleur, évidemment, là où les températures sont très chaudes, c'est les endroits où il y a peu de végétation, où on a minéralisé beaucoup la ville. Et donc, les interventions doivent être faites là. Et vous savez qu'entre un endroit qui est très minéralisé et l'endroit qui est à 50 mètres de là, qui est végétalisé, il peut y avoir jusqu'à 20 degrés de différence, 20 degrés Celsius. Et donc, c'est très, très important, particulièrement quand on considère que la population est vieillissante,
qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes de santé. Les vagues de chaleur isolent les gens, font en sorte que les gens ne peuvent plus sortir sans être affectés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas climatisés non plus. Donc, il y a des enjeux de santé publique très importants. Et ici, en combinant les deux scénarios, donc en combinant les priorités pour la conservation et pour la biodiversité, il faut que j'avoue que c'est toujours particulier de parler d'un rapport qui a été écrit par l'auteur qui est assis pour nous écouter. J'espère pas trop me tromper. Et donc, vous voyez, on a été capable de planifier ça. Et maintenant, on aimerait passer à l'étape suivante, qui serait de faire ce même exercice-là, mais pour la question des inondations. Parce qu'on n'a pas réussi, avec le temps et le budget dont on disposait, ça va prendre une étude complète sur la question de l'inondation, puis on espère la faire dans les prochaines années. Suite à la publication de ce rapport-là, on a travaillé avec la communauté métropolitaine de Montréal et plusieurs institutions universitaires pour organiser le premier sommet sur les infrastructures naturelles du Grand Montréal. L'idée était de mettre ensemble les experts, donc les experts universitaires et les planificateurs, les professionnels qui font la planification urbaine, des élus, pour qu'il y ait un transfert de connaissances des experts vers les élus, mais aussi, ou vers les praticiens, mais aussi des praticiens vers les experts. Parce que ceux qui ont la connaissance terrain sont en mesure de dire, bien, telle ou telle solution est difficilement applicable chez nous, ou telle solution est plus facilement applicable. Et donc, il y a une rétroaction entre les chercheurs et les praticiens. Et donc, on les a mis dans la même salle, ça s'est bien passé, au-dessus de 200 personnes qui y ont assisté, incluant le maire de Nicodère. C'est très facile d'avoir une photo avec le maire Coderre. C'est difficile de déplacer, par exemple, dans un sommet comme celui-là. Donc, on a eu l'appui. Le maire Coderre est le président de la communauté métropolitaine de Montréal et aussi le maire de Montréal. Et donc, un rôle très important, un signal très important qui a été envoyé pour faire avancer la question des infrastructures naturelles dans le Grand Montréal. Et je crois que c'était ma dernière diapositive. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karel. Merci tout le monde. Donc, là, prochainement, on va procéder à notre dernière présentation justement l'auteur de l'étude qui vient d'être lancée hier par la Commission de la capitale nationale, qui est quand même disponible pour voir en avant. C'est disponible sur notre site web aussi. Puis, quand on serait prête pour la présentation, on est prêt. Je demande à Jérôme de prendre la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Christy. Je te remercie M. Chris Manson, M. Mills, les autres membres du conseil d'administration de la commission d'être ici présents. Je voudrais également vous remercier. C'est toujours très, très flatteur de voir que le travail qu'on fait suscite un intérêt. Ça a été un rapport, une étude qui a été largement reprise dans les médias aujourd'hui. Et c'est un peu l'exercice qu'on souhaite avec ce travail-là, c'est de susciter la discussion, un débat pour améliorer éventuellement nos pratiques d'aménagement, que ce soit pour les terres qui sont gérées par la CCN ou par l'ensemble des parties prenantes de la région. Donc, ce soir, un peu mon mandat, c'est de vous livrer les conclusions clés de cette étude qu'on a réalisée au laboratoire d'économie écologique de l'UCO dans la dernière année. Et comme le disait Christy, il y a des copies papier qui sont disponibles à l'avant et le rapport est également téléchargeable sur le site web de la CCN. Alors, Stéphanie nous a parlé du capital naturel en faisant référence un peu au marché financier, aux termes économiques qu'on emploie souvent, le capital, les flux, les taux d'intérêt. Donc ici, j'ai essayé de vous le représenter avec un territoire parmi les joyaux de la ceinture de verdure du parc de Gatineau, c'est le belvédère Champlain. Et on va essayer ici de le considérer comme le capital naturel. Le capital naturel étant l'ensemble des écosystèmes, des ressources qu'on peut y trouver. Donc ici, on a les terres agricoles, les forêts, les cours d'eau. Et ce qu'on parle ici en termes de flux, de taux d'intérêt, ce sont les services écosystémiques. Donc pour suivre la logique présentée par Stéphanie, nos quatre boîtes, ici, on pourrait regarder ce paysage-là et se dire que notre capital naturel nous offre des services de différentes catégories.
Les premiers étant des services de support, d'auto-entretien, qui sont très intangibles, mais qui constituent un peu la toile de fond sur laquelle vont s'exercer des services avec une plus grande dimension d'utilité. Donc, on peut, par exemple, penser ici aux services de formation des sols, de production de biomasse, de cycle des nutriments. On peut, à l'autre bout du spectre, avoir des services qui sont très tangibles. Donc, les services d'approvisionnement. Nos terres agricoles vont fournir des biens alimentaires. Il va y avoir des produits forestiers ligneux, non ligneux. Pensons à des champignons, des baies qu'on pourrait retrouver dans ces territoires-là. Et deux autres classes de services, les services de régulation. Pensons aux services de pollinisation, de séquestration de carbone, de filtration des divers polluants aériens, de la régulation de la qualité de l'eau, le contrôle de l'érosion, et des services culturels comme la possibilité d'y faire des activités récréotouristiques, la beauté esthétique des paysages ou une appréciation plus générale de la nature dans son aspect de transgénérationnel, de transmission de ce capital à ceux qui nous suivront. Donc, nous, dans cette étude ici, je vous présente ça pour deux raisons. Premièrement, pour vous montrer ce qu'on a évalué. On n'a pas évalué le capital naturel, mais plutôt le flux annuel. Donc, comment ces services-là peuvent impacter la qualité de vie des communautés et comment on peut se servir des théories économiques pour chiffrer ces services-là. Et également pour faire la distinction sur ce qui est évaluable et ce qui n'est pas évaluable. Donc, dans cette étude, on fait la distinction entre une biodiversité ordinaire ou fonctionnelle et une biodiversité extraordinaire. Donc, quand on parle de biodiversité extraordinaire, on va parler d'espèces menacées, d'écosystèmes exceptionnels, des objets naturels qui n'ont pas besoin de valeur économique pour qu'on puisse apprécier leur importance. Donc, il y a des systèmes de valeurs sociaux, culturels, patrimoniaux qui font en sorte qu'on veut conserver des espèces menacées, on veut conserver des écosystèmes parce que c'est important pour les collectivités. Par contre, quand on pense à une biodiversité fonctionnelle, la pollinisation, la prévention des inondations, c'est beaucoup plus difficile à conceptualiser et parfois, les systèmes de valeurs qu'on va mobiliser pour notre biodiversité extraordinaire, donc le patrimoine, la culture, c'est peut-être pas assez suffisant et c'est à ce moment où on veut mobiliser d'autres arguments, des arguments économiques pour vraiment engager ce débat sur l'importance de la nature dans des paysages urbains et périurbains. Donc, la méthode qu'on a proposée pour cette étude, elle se décline en cinq grandes étapes. La première, prochaine diapo. Celle-ci, je voulais juste vous dire en fait que les services écosystémiques, on peut les évaluer selon plusieurs méthodes. Donc, en économie, on a une trousse, un coffre à outils qu'on peut mobiliser pour différents services. Et ces méthodes-là se réfèrent tous et toutes à des marchés économiques, donc puisqu'on utilise les théories économiques pour apposer des valeurs. Donc, il y a des types de méthodes qui sont basées sur des marchés existants. Donc, on peut utiliser les marchés de biens alimentaires, de produits forestiers pour essayer de donner une valeur économique à ces services-là. Un peu comme le disaient Karel et Stéphanie, on peut également voir quels sont les coûts de remplacement ou les coûts des dommages évités qu'on fait en conservant la nature. On peut utiliser des marchés secondaires. Donc, ici, ces deux techniques-là que je vous nomme, les coûts de transport et les prix hédoniques. Ce sont des méthodes qui utilisent, pour les coûts de transport, on va regarder le potentiel d'attrait d'un site naturel et sa valeur selon ce que les visiteurs sont prêts à dépenser pour s'y rendre. Donc, on parle ici du coût d'opportunité. Combien un individu, un ménage, va être prêt à payer pour se rendre visiter le parc de la Gatineau? Mais ce n'est pas seulement le droit d'entrée, mais c'est les 6 heures de son temps qu'il a pris pour le visiter, l'essence qu'il a mis dans la voiture. Donc, c'est l'ensemble de marchés secondaires qu'on peut mobiliser pour attribuer une valeur à ce type de milieu naturel. Tout comme la méthode des prix hédoniques va nous dire, regardons le marché immobilier pour essayer de voir quelle est la valeur d'un site naturel. Donc, si on prend deux résidences qui sont en tout point conformes, si on en place l'une d'elles près d'un dépotoir et l'autre en face d'un lac, bien, forcément, ces deux résidences-là n'auront pas la même valeur. Donc, ici, ce n'est plus la question seulement de la superficie habitable, la taille du terrain, mais aussi un ensemble de variables environnementales qu'on peut… Donc, on peut regarder ces transactions-là et inférer une valeur du marché résidentiel qui va être déterminée par l'environnement de cette résidence. Lorsque de tels types de marchés primaires, secondaires n'existent pas, on peut simuler des marchés. Donc, on peut prendre la logique du budget mensuel d'un ménage et dire, donc, on utilise ce budget-là pour
payer notre logement, des biens alimentaires, différents loisirs, mais on peut aussi simuler des marchés en disant, si vous vouliez augmenter la qualité de votre environnement, quelle part de budget est-ce que vous alloueriez à une augmentation de cet environnement-là? Et on peut, encore ici une fois avec des tests statistiques, montrer quelle est la valeur de ces biens-là selon les capacités à payer du ménage. Finalement, une quatrième boîte, les transferts de valeur. Donc, on va ici utiliser des données secondaires. Donc, quand on n'a pas le temps, les ressources ou, comme dans le cadre ici, un mandat très large d'évaluer l'ensemble du capital naturel et des services de notre territoire, de la capitale nationale, on peut utiliser des études qui ont déjà été réalisées et d'avoir différents facteurs de pondération pour utiliser ces valeurs et les transférer à notre site cible. Donc, je vous présentais l'ensemble de ces méthodes-là parce qu'on a utilisé un ensemble de quatre de ces méthodes pour pouvoir réaliser notre projet. Donc, on a utilisé la méthode des prix de marché, des coûts de remplacement et deux types de méthodes de transfert de valeur, soit la méthode des transferts de bénéfices et par méta-analyse. Donc, la méthodologie, comme je disais, se décline en cinq grandes étapes. La première étant de définir notre terrain de jeu, donc définir l'aire d'étude, quels seront les écosystèmes qui seront évalués. La deuxième, c'est de faire une analyse cartographique de ce territoire, donc de voir quels sont les types d'écosystèmes qu'on retrouve, quelles sont les classifications de ces écosystèmes, quels sont les services écosystémiques fournis par ces écosystèmes. Dans un troisième temps, on va essayer de créer des indicateurs de valeur pour les services écosystémiques. Dans une quatrième étape, on va brancher les données cartographiques avec les données économiques pour avoir une ventilation des valeurs selon les espaces. Donc ici, une valeur en dollars par hectare qu'on peut combiner avec une analyse cartographique par hectare. Et finalement, une analyse spatiale qui va nous permettre d'avoir une appréciation, une vue d'ensemble sur cette démarche, cette large démarche. Donc la présentation, je vous la présente ici selon un détail de ces cinq grandes étapes. Donc, notre première étape, le mandat qu'on a eu ici, c'était de regarder l'évaluation du capital naturel pour l'ensemble des terres qui sont la propriété et qui sont gérées par la commission de la capitale nationale. Donc, on parle ici de deux secteurs d'importance, le parc de la Gatineau, vous voyez en vert foncé, secteur nord-ouest, et la ceinture de verdure au sud de la ville d'Ottawa. Et la troisième composante, c'est un ensemble de terres de milieux naturels, de parcs, de terres agricoles. Donc, une collection de terrains qui sont répartis dans l'espace près du cœur Ottawa-Gatineau, qui sont aussi la propriété et gérés par la CCN. Donc, on a, ici, on espère avoir, comme on dit en anglais, « coin the term », d'avoir, on parle ici du Green Network, de la trame verte de la capitale nationale. Donc, c'est ce qu'on a voulu représenter. Ce n'est pas simplement la ceinture de verdure, mais ce sont l'ensemble des écosystèmes qui ceinture la ville et qui constitue sa trame verte. Donc, dans une deuxième étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recherche sur des données de systèmes d'information géographique. On a fait une analyse cartographique pour arriver avec une ventilation des terres selon une classification de 15 types d'écosystèmes, donc des forêts urbaines, rurales, de feuillus, de conifères, des terres agricoles selon chaque type de culture, des milieux humides, urbains, ruraux, des zones urbaines, des milieux aquatiques. Et à chacune de ces classes-là, on a fait une revue de la littérature pour identifier des services écosystémiques qui seraient fournis par ces écosystèmes et qu'on pourrait mesurer grâce aux données qui sont disponibles. Donc, cette étude se penche sur 13 services écosystémiques. Quand on regarde nos boîtes qu'on avait, là, il y a un service écosystémique d'approvisionnement, ce sont les biens agricoles. Il y a deux services culturels, les habitats pour la biodiversité et les activités au récréo touristique. Et il y a 10 services de régulation que je vous présenterai. Donc, pour faire l'évaluation économique des services écosystémiques, je vous présente brièvement les méthodes économiques qui ont été utilisées. Donc, la méthode des prix de marché, on l'a utilisée pour les biens alimentaires les activités récréotouristiques. Donc, pour les biens alimentaires, l'idée, ça a été de voir les 12 cultures principales qui sont produites dans la région, donc l'avoine, le soya, le maïs, des produits maraîchers, et de calculer une rente économique. Donc, la rente économique, c'est l'ensemble des bénéfices annuels qu'on va soutirer, donc par la vente de ces produits-là, auxquels on soustrait les coûts de production, les coûts de machinerie, les coûts de main-d'œuvre. Et cette rente-là, dans le fond, on peut la transférer comme étant un produit direct de notre capital naturel, de l'écosystème agricole.
On a utilisé cette méthode des prix de marché aussi pour les activités récréotouristiques. Donc, on a calculé l'ensemble des retombées économiques qui sont générées par le parc de la Gatineau. Donc, c'était les seules données qui étaient disponibles. On a pris ces données-là et on les a ventilées à une valeur par hectare pour l'ensemble du territoire. On a utilisé la méthode des coûts de remplacement pour ce qui est relatif à la régulation du climat. Donc, Environnement Canada produit à chaque 4 ans ce qu'ils appellent une valeur pour le coût social du carbone. Donc, le coût social du carbone, c'est de dire, dans une perspective de changement climatique, car elle le présentait avec les impacts des changements climatiques, on aura des impacts, des inondations, des ouragans, etc., qui sont chiffrés. Il y a des études, notamment le rapport Stern, qui est une grande étude publiée en 2006, qui nous chiffre les coûts des changements climatiques. Donc, le coût social, c'est de relier la valeur de chaque tonne à un coût potentiel des changements climatiques. Donc, en disant, si on évite l'émission de cette tonne-là, on évite le coût marginal du coût social qui pourrait subvenir dans le futur. Donc, le rapport qui a été publié en 2016 par Environnement Canada chiffrait ce coût social du carbone à 46 $ la tonne d'équivalent carbone. On a utilisé aussi le transfert de bénéfices. Pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une revue exhaustive de la littérature où on a identifié 149 estimations monétaires provenant de 78 différentes études, principalement conduites au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, ce qu'on regardait pour la sélection de ces études-là, c'était une similarité écologique. Donc, est-ce qu'on se trouve dans un milieu tempéré avec les mêmes types de milieux humides, les mêmes types de forêts et aussi des conditions socio-économiques équivalentes. Donc, sur la base de cette grille-là, on a pu transférer des valeurs pour, par exemple, des services comme le contrôle des eaux de ruissellement, la prévention des inondations. Et pour transférer ces valeurs, on les a transférées selon de différentes métriques, la parité de pouvoir d'achat, le calcul des inflations, les transferts de devises. Et finalement, la quatrième méthode, c'est celle de la méta-analyse. Donc, on a utilisé... C'est un peu technique, mais c'est pour vous montrer qu'on est sérieux dans nos trucs. J'ai mis une équation même. Donc, l'idée, c'est de dire que avec la méta-analyse, on ne va pas identifier la valeur d'un milieu humide seulement en transférant une valeur, mais on va plutôt regarder les caractéristiques inhérentes de ce milieu qui vont générer la valeur. Donc ici, l'idée, c'est de voir le V, c'est la valeur, va être expliqué par les types de services écosystémiques, le positionnement spatial du milieu humide. S'il est tout près d'une communauté, il peut avoir un effet de prévention des inondations beaucoup plus important que si on le retrouve complètement en milieu rural. Sa valeur va varier selon si on le retrouve dans un territoire urbain, agricole, forestier. La valeur va être aussi expliquée à savoir si c'est un milieu humide isolé ou complexe près de cours d'eau. Et va être expliquée aussi par le revenu moyen des habitations, des ménages environnants. Donc, c'est un peu le regard méthodologique sur comment on a évalué ces valeurs-là. La présentation de quelques résultats, je ne veux pas ici tomber dans de la lecture un peu ardue de tableau, mais juste pour vous présenter ce que vous pouvez retrouver dans le rapport. Donc, c'est un peu l'exercice ici qu'on a fait pour les forêts. Vous pouvez voir 6 différents types de forêts, des forêts mixtes, feuillues et de conifères, à la fois pour les milieux ruraux et les milieux urbains. Et ce qu'on est capable d'établir ici, nos résultats, c'est de dire, bien, regardons ici l'ensemble des 13 services écosystémiques. Selon nos différentes méthodologies, qu'est-ce qu'on est capable de retrouver comme valeur de chaque service pour chaque écosystème? Donc, la valeur ici qu'on a trouvée, une valeur exprimée en dollars par hectare par année. Pour un hectare de forêt urbaine, on est autour de 9 000 $ par hectare et environ 4 000 et des poussières pour un hectare en milieu rural. Le principal facteur qui explique cette différence-là, c'est qu'une forêt en milieu urbain est capable de faire du captage d'eau de ruissellement. Et c'est très lié à la vidéo que Karen nous présentait tout à l'heure. Donc, un des principaux coûts en termes de services publics, ce sont les surverses des égouts, donc le contrôle des eaux de ruissellement. Et on sait que bon, des milieux forestiers, des boisés en milieu urbain sont capables de filtrer ces eaux-là. Donc, on a beaucoup de coûts évités grâce à ce service fourni par les forêts urbaines. Pour les milieux humides, donc, vous voyez leur répartition spatiale ici. La plupart du 10 % de milieux humides sur le territoire est expliquée par le complexe Mer Bleue, un important complexe de milieux humides qui est, vous voyez, là, à votre droite ou gauche, à votre droite. Et la valeur des milieux humides ici, c'est une valeur assez impressionnante là, de 60 000 $ par hectare qui s'explique, en fait, vous le voyez ici ventilé,
selon sa valeur par hectare. Et vous voyez, plus ça s'en va vers le rouge, plus la valeur par hectare par année est importante. Et c'est un peu comme Stéphanie disait, le phénomène de rareté, c'est que dans notre territoire, on a certes des grands complexes de milieux humides, mais bien souvent, on va retrouver de petits milieux humides isolés dans des zones urbaines. Donc, c'est ici où le rôle marginal de chaque milieu humide va être augmenté parce que son importance devient de plus en plus importante pour des services de contrôle des eaux de ruissellement, de prévention des inondations, d'habitats pour la biodiversité dans des endroits où on retrouve peu de ces habitats et qui participent à la connectivité du territoire. Le même exercice a été fait pour les milieux agricoles, les friches, les prairies, où on obtient des valeurs au niveau des terres agricoles qui sont principalement expliquées par les produits agricoles qui y sont faits. Et pour les friches et prairies, la valeur de un peu plus de près de 3 000 $ par hectare par année s'explique principalement par des habitats pour la biodiversité. Et ici, je glisse un mot sur un peu les préjugés qu'on a, autant scientifiques que grand public, qu'aménagistes, sur les milieux de friches et de prairies. On a l'impression que c'est une zone qui est en transition. C'était soit une zone agricole ou ça deviendra une forêt mature plus tard. Donc, un peu cette dévalorisation-là, un peu comme on l'avait il y a quelques décennies envers les milieux humides, où on les considérait comme des milieux un peu inutiles. Mais en fait, ces territoires-là qui sont souvent... transformés ou on en fait du développement urbain, ce sont des territoires qui sont très importants pour certaines espèces où ces territoires-là constituent leur habitat, leur milieu de vie. Je pense par exemple aux carrières ovales, à l'érable noir, qui ont besoin de ces territoires en transition pour assurer leur survie. Donc ici, on a une valeur qui reflète un peu ça, là, plus de 2 000 $ par hectare, qui est pour un peu conserver ces habitats de biodiversité très importants pour les paysages urbains. Pour les milieux aquatiques, on a fait le même exercice, mais quand on parle d'évaluation économique de la nature, il y a eu de grands efforts de recherche pour les milieux terrestres et très peu pour les zones aquatiques. Donc, quand on est arrivé à l'exercice d'essayer de faire du transfert de valeur, on a trouvé très, très peu de sources. Et c'est ce qui explique, en fait, une valeur relativement basse de 137 $ par hectare par année pour ces milieux-là. Donc, ça ne représente pas, en fait, la réelle valeur, mais plutôt les limites de ces méthodes-là, le manque de données qui ne nous permettent pas d'apprécier peut-être à leur juste valeur l'ensemble de ces milieux. Donc, un peu pour faire une conclusion, vous voyez ici, selon les colonnes, donc vous avez les types d'écosystèmes, forêt urbaine, forêt rurale, les milieux humides, les terres agricoles, les milieux aquatiques, les prairies et pâturages. On a été capable de trouver une valeur par hectare pour chacun de ces territoires-là. Le même exercice peut être fait selon les services écosystémiques. Donc, on montre que les services d'habitat pour la biodiversité, de prévention des événements extrêmes, de régulation du climat en termes de séquestration de carbone sont des services très importants qui fournissent une valeur économique substantielle. Et finalement, vous avez cette carte-là, notre étape 5, où on est capable de représenter un peu schématiquement sur le territoire les valeurs selon leurs zones. Donc, ce qu'on est capable de remarquer ici, qu'est-ce qui sort dans des couleurs de valeur plus élevées, c'est que plus on se rapproche des zones urbaines, plus on se rapproche des milieux habités, plus la valeur des écosystèmes est grande parce qu'on a un effet direct sur la qualité de vie des communautés. Donc, on impacte directement le bien-être des citoyens et souvent, on est en termes de coûts évités, qu'on est capable de sauver du service public en utilisant les services gratuitement fournis par la nature. Et l'autre élément qui ressort, ce sont les milieux humides, donc des milieux qui fournissent des services de grand intérêt pour le bien-être public. Donc, je termine avec une conclusion sur cette étude, qui sera suivie de deux petites diapos d'ouverture sur comment on peut utiliser ces valeurs-là dans le quotidien et dans l'aménagement. Donc, la conclusion, et ici, moi, quand je présente ça, même si c'est bref, c'est avec des gants blancs en disant que la nature n'a pas de prix. Ça doit être fait, ces exercices-là, dans des contextes qui sont très ciblés. Ici, on veut vraiment ouvrir un débat, montrer que la nature rend des services et ses services, lorsqu'on les met en opposition avec des services publics qui ont des coûts, il peut y avoir ici, effectivement, une lecture économique qui en est faite. On ne parle pas ici de valeur pour la nature au sens général, pour des écosystèmes, des grands biomes ou des espèces menacées. On parle plus d'une nature pragmatique qui doit être aménagée puisqu'on est sur un territoire où il y a des arbitrages, il y a des trade-offs entre conservation, développement, activité récréotouristique, agriculture. Donc, on doit, à un certain moment,
jouer le jeu et utiliser les outils qui sont utilisés par les aménagistes et avoir certains indicateurs économiques. Donc, c'est ce qui est à retenir ici, c'est que c'est un ordre de grandeur, ce n'est pas une valeur finale et déterminée et que ça doit être vraiment bien utilisé et pas à toutes les sauces, ces valeurs-là. Ensuite, si on fait, en fait, on regarde notre flux annuel de 332 millions de dollars annuellement qui sont générés par l'ensemble de notre capital naturel, on peut actualiser ces flux-là pour en avoir une perspective de capital. Donc, ici, on a suivi quelques recommandations qui sont utilisées en finance habituellement, de dire, bon, si on regarde un flux sur 20 ans, on en fait une valeur actuelle nette. Donc, en utilisant des taux d'actualisation, on peut arriver à une valeur actuelle nette d'aujourd'hui. Et cette valeur actuelle de 330 millions, donc cette valeur pour le capital naturel de la région, c'est 5 milliards de dollars, une valeur moyenne de 6 000 dollars par hectare par année. Et finalement, les services qui participent de façon plus significative à cette valeur-là, ce sont ceux du traitement des polluants, donc autant de la qualité de l'air que de l'eau, la prévention d'événements extrêmes, les habitats pour la biodiversité et la séquestration de carbone dans une perspective de lutte au changement climatique. Donc, je conclue sur deux diapos qui vont peut-être justement amener une réflexion commune et des questions sur… Une fois qu'on a produit ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment le débat public et comment les politiques peuvent réellement se moduler pour intégrer la perspective de capital naturel? Donc ici, je vous ai mis une petite chaîne du temps qui montre que ce concept-là n'est pas nouveau de service écosystémique. Son origine remonte au début des années 70, où on a développé le concept. Par la suite, dans une deuxième étape autour des années 90, ce concept-là, c'est vraiment inscrit dans l'agenda scientifique. On a vu beaucoup d'universitaires, autant dans des sciences biophysiques, naturelles, qu'en économie, en sciences sociales, s'approprier le concept pour en faire des développements méthodologiques. On a vu que la littérature scientifique a réellement explosé. Beaucoup d'études sur la valeur des services ou comment bien comprendre, modéliser les services. Et finalement, depuis 2005, une série d'initiatives onusiennes qui ont percolé pour devenir des initiatives nationales et à des échelles plus fines. Je fais le parallèle avec ce que disait Stéphanie au niveau du Millennium Ecosystem Assessment, publié en 2005. On est rentré dans une troisième phase, celle de l'inclusion des services écosystémiques et du capital naturel dans l'agenda politique. Donc, on voit émerger, et cet agenda politique, on peut le décliner en trois niveaux. On peut penser à des échelles macro, méso et micro. On peut penser à des échelles nationales où la valeur du capital naturel peut se retrouver insérée dans des lois, des normes, des règles, des politiques. On parlait tout à l'heure de la directive sur les services écosystémiques du bureau du président des États-Unis. C'est le genre de réflexion qu'on peut avoir. Dans le cadre stratégique agricole canadien, depuis le milieu des années 2000, on finance de la production, non pas de biens alimentaires, mais d'autres types de biens et services écologiques. Donc, des initiatives comme le Fonds Prime Vert au Québec ou ce que finance Agriculture Canada, c'est pour encourager de la production de co-bénéfices des milieux agricoles. De la même façon, des initiatives comme mettre un prix sur le carbone, des initiatives de bourse du carbone, ce sont des initiatives qui visent à internaliser des externalités environnementales. Donc, on est un peu dans cette réflexion-là et je pourrais continuer même avec des initiatives qu'on voit depuis la dernière décennie. Ce qui nous intéresse peut-être dans le cas ici de la CCN et de la région, c'est de changer d'échelle et d'arriver à notre niveau d'aménagement au niveau régional où on peut, donc dans un premier temps, on peut reconnaître cette valeur-là à un niveau très large. On peut la démontrer à travers des mécanismes socio-économiques bien définis. Pensons par exemple à quand on a un plan directeur pour la région, qui est d'ailleurs en révision ici à la CCN, si on est capable d'avoir des outils tels des analyses coûts-bénéfices, des évaluations d'impact environnementaux, des évaluations stratégiques, où notre lunette économique, on va l'ouvrir sur d'autres éléments du capital naturel qui sont capables de, ici, faire changer certains éléments du débat et entraîner un regard autre sur les milieux naturels pour les faire, en fait, transférer d'une nature ou en milieu urbain, on l'a souvent considéré comme une nature sous cloche de verre qu'on devait protéger, qui était une contrainte économique mais nécessaire, et plutôt se l'approprier comme, dans les termes dont parlait Carrel, d'infrastructure naturelle, d'une infrastructure qui fournit des services et qu'il faut plutôt essayer de maximiser et d'en faire profiter pour un maximum d'utilisateurs. Et finalement, il y a un niveau plus fin, celui des marchés. On peut créer de nouvelles initiatives, donc
Il peut y avoir des marchés directs ou plutôt des politiques qui sont faites à des échelles municipales. Je pense par exemple à ce que fait Gibson, donc en revoyant ses plans d'aménagement municipaux, ou encore certaines villes qui font littéralement des crédits de taxes foncières pour des propriétaires privés de milieux naturels. Donc, je donne souvent l'exemple de la ville de Trois-Rivières qui, depuis cette année, pour chaque propriétaire de 5 hectares ou plus de forêts privées, donc dans les limites de la ville de Trois-Rivières, si cette personne-là fait un contrat s'engageant sur 5 ans à dire « je ne vais pas couper ma forêt, je vais la conserver, je vais l'entretenir sur 5 ans », bien, cette personne-là bénéficie d'une réduction de 50 % de ses taxes foncières. Donc, ici, on est dans des... On ne réinvente pas la roue, on utilise des programmes de taxation municipale, des outils bien connus, mais on essaie juste d'avoir un petit peu d'imagination, d'un peu de novateur pour rentrer à l'intérieur de ces procédures-là, des éléments du capital naturel et de la façon de se servir de la nature comme une génératrice d'éco-services et de bénéfices pour les citoyens. Donc, je vous remercie de votre attention et je voulais souligner, en fait, que ce travail est un travail d'équipe. Il y a ici Chloé qui dans le laboratoire qui a fait énormément de travail avec 3 autres co-auteurs, toute l'équipe de la CCN qui a été vraiment très participatif. C'était pas juste au niveau de la révision, il y a vraiment eu de beaux échanges avec l'équipe, notamment Catherine Christie et Matt Tomlinson, les gens de la Fondation David Suzuki, Karel, Sylvain, Michel Molnar et l'équipe qui a produit le rapport, Nadine et Pete. Alors, merci beaucoup tout le monde. Thank you to all of our speakers. Merci à tous nos présentateurs. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi j'ai trouvé. So now is the chance to ask questions. We'd ask you to please use the microphones because it'll go through simultaneous translation. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous servir des micros. Vous pouvez poser des questions de n'importe qui sur l'estrade ici. Puis également, il y aura des opportunités sur Twitter. Ceux qui nous regardent sur YouTube Live, ils vont me passer les questions, puis ça me ferait plaisir de les poser à nos présentateurs. Bonsoir, Jacques Demers de Gatineau. Ça me tente de continuer sur votre analogie du capital naturel, un peu comme le capital à la bourse, la biodiversité. C'est important d'investir dans la biodiversité autant qu'un investisseur dans des secteurs diversifiés pour éviter que s'il y a un crash dans un domaine, ça ne l'effondre pas complètement et que ça se retrouve tout nu dans la rue. Si ceux qui ont connu Nortel peuvent savoir un peu de quoi est-ce qu'on parle. Et pourquoi que la biodiversité est si importante, qu'est-ce qui la menace le plus? C'est surtout, je pense, les espèces envahissantes. Et les espèces envahissantes tuent la diversité la plus fragile. Ici, dans la région, on commence à contrôler des espèces envahissantes comme la myriophile, le nerprun, il y en a d'autres, là. Entre autres, la grille du frêne qu'on n'a pas été capable de contrôler. On voit ce que ça donne. Présentement, je suis en train de me demander si le chevreuil, ne serait-ce que par la chasse, on le contrôle, et ainsi de suite. Fait que je me demande si on ne devrait pas commencer à penser à rentrer 2 autres espèces dans des espèces potentiellement envahissantes. Et je pense ici à 2 rongeurs, entre autres le castor, parce que moi, je... parliez tout à l'heure, si on voit régulièrement dans le parc, dans les parcs de la capitale, la CCN, entre autres, moi, c'est surtout le parc du lac Lemay, et je le vois se dégrader année après année, surtout depuis l'invasion de la grille du frêne. Le castor, c'était sa principale nourriture pour justement user ses dents, mais là, puisqu'il n'y a plus de frêne dans les alentours, il s'en prend aux chênes et aux érables maintenant. Ça fait que là, c'est rendu son ultime, il n'y a plus d'autre choix. Puis même, il prend les repousses, les gaules et tout ça, l'affaire coupe tout. Ça fait que là, je pense qu'on devrait commencer à contrôler le castor pas mal plus intensivement que ça, surtout en milieu urbain. Et l'autre rongeur auquel je parle, c'est l'humain.
Je pense que lui aussi commence à être envahissant. Je me demande si au niveau global, il ne faudrait pas commencer à penser à, justement, à contrôler son expansion pour laisser de la place aux espèces les plus vulnérables. Ici, dans la région, on a le parc de la Gatineau, comme vous avez expliqué tout à l'heure. C'est surtout alentour du lac Meech et sur le côté Gatineau. Vous regarderez la rue Sky Ridge dans Gatineau. C'est directement dans le parc, à 300 mètres du lac Pink. Fait que là, les humains commencent à envahir le parc de Gatineau aussi. Et puis, je pense qu'il faudra commencer à considérer au niveau global la surpopulation mondiale. Et même si nous autres, on n'est pas si populeux dans la grande région de la capitale, mais il faut penser qu'il va falloir commencer à penser à recevoir la surpopulation ailleurs dans le globe. Donc, l'immigration, on n'aura pas le choix de dealer avec. Fait qu'il faut commencer, même si on n'est pas nombreux, à y penser à la surpopulation. Que pensez-vous de diversifier nos investissements? OK. Donc, est-ce une question précise pour l'un ou l'autre? Non? Monsieur Duprat, je pense qu'il peut comprendre un peu de quoi je parle. Si certains ont écouté les tunes des Cowboys fringants, je pense qu'il en parle un peu là-dedans. Merci, M. Demers. C'est son autre personnalité. Une question très simple. Non, c'est une blague. Il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Merci. J'en profiterai peut-être pour toucher un petit élément qui est très important pour moi si je ramène ça à l'aménagement urbain. Et vous avez raison qu'en fait, il faut avoir un peu en finance, on appelle ça l'effet portefeuille, hein, de pouvoir essayer de diversifier. Puis quand on parle d'écosystèmes, des écosystèmes naturels qui ont eu leur succession écosystémique, ont des degrés de complexité beaucoup plus élevés que des écosystèmes fraîchement restaurés ou qui sont fragmentés ou les pressions sont augmentées. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait à Montréal dans notre travail au niveau de la trame verte, c'est de dire ce qui constitue des écosystèmes naturels, des forêts primaires ou de très longue date, on doit absolument les conserver parce que, justement, c'est ces territoires-là qui nous permettent d'avoir les clés de diversité, des diversités génétiques, des diversités de population qui vont être capables d'avoir la meilleure résilience face, vous avez parlé d'espèces invasives, mais dans le lot, on pourrait ajouter les changements climatiques, la pollution des milieux, ce qu'on appelle aujourd'hui les changements globaux. Donc, il y a deux stratégies ici pour faire face aux changements globaux. La première, c'est de conserver les écosystèmes qui sont les plus complexes, les plus riches, qui nous offrent cet effet portefeuille. Et dans un deuxième temps, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé. Quand, dans les années 50, il y a eu la maladie hollandaise de l'orme, ce qu'on a fait, bien, cette maladie s'attaque évidemment aux ormes et a fait disparaître les ormes de l'ensemble du territoire, du moins montréalais, mais une grande partie d'Amérique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, bien, l'orme, il y en avait beaucoup, on va le remplacer par le frêne, parce que le frêne a à peu près les mêmes caractéristiques, il peut avoir la même canopée, les réseaux racinaires ne sont pas trop développés. Donc, on a planté à peu près 20 % des arbres à Montréal, des frênes. Aujourd'hui, on est pris avec la grille qui fait disparaître ces arbres-là. Donc, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs et justement rentrer ces dynamiques de complexité dans ce cas-ci, dans le reboisement, de dire on doit combiner des espèces avec différents traits fonctionnels, essayer différents mélanges qui vont nous offrir cette résistance face aux changements globaux. Donc, c'est ce que je pourrais dire, c'est de toujours avoir en tête qu'il n'y a pas de solution simple et le mieux on imite la nature dans ce qu'on fait, le mieux on sera, mais on ne pourra pas jamais l'imiter de la meilleure façon. Donc, il faut conserver également ces noyaux de biodiversité, d'écosystèmes naturels qui nous restent. Je voudrais peut-être ajouter un élément. À propos de la population, le problème, le phénomène de la surpopulation sur Terre ne peut pas être analysé séparément du phénomène de la surconsommation. Un Nord-Américain, il y a moins de Nord-Américains qu'il y a d'Indiens, mais un Indien consomme l'équivalent de 0,7 planète par année. Un Nord-Américain, un Canadien, consomme 6 planètes. Alors, si on commence à parler de population, est-ce que c'est préférable d'éliminer des Canadiens ou des Indiens? Et là, vous comprenez le débat éthique dans lequel on se retrouve. Et fondamentalement, le problème de surpopulation qu'on a, c'est un problème de comment satisfaire aux besoins de l'ensemble de la population humaine sans consommer 6 planètes par année. Et donc, notre défi, vraiment, c'est de réussir
particulièrement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, dans les autres sociétés développées, mais surtout ici en Amérique du Nord, à répondre aux besoins des gens sans complètement surexploiter les systèmes naturels qui nous entourent. Et on parle très peu de surconsommation, malheureusement. Puis avant Noël, c'est peut-être un bon moment pour aborder le sujet. Karel, on veut que les Canadiens éliminent les sénateurs, pas les Indiens. Is this on? Hi, I'm Nick Stowe. I'm an environmental planner with the City of Ottawa. I work in the Natural Systems Unit, and it's actually my job to make the case for retention of natural capital, of forests and wetlands and so on. But here's the problem that I run into. If we look at, a hectare of land that could be developed, cleared and developed as residential housing in the urban area, I'm looking at land costs, market land values of about $750,000. I'm looking at about $5 million in economic activity for the construction of 25 homes on that land. And then I'm looking at $100,000 or more for property taxes on those homes once they're built. So is not reliance on the value of natural capital a losing argument for me? So this is part of what we're trying to address in this municipal natural asset initiative work that I'm doing. And it's very, very context specific, site specific, et cetera, et cetera. But what we are trying to do is give tools to do, say, scenario analysis. You may want to do your development, but there's many different ways to do a development. Are there ways to do a development that has less impact on the ecosystem services from that specific site? And to give you a specific example, in Gibson's, where their town motto is nature is our most valuable infrastructure asset, they were looking to do a new subdivision. And they looked at a scenario where they would pave over a specific area that was designated subdivision. A wetland would have been filled in, and they would have had to introduce a whole series of new stormwater infrastructure, culverts, pipes, expand their water treatment facility, etc. They looked at a scenario where the subdivision still went ahead but was designed differently and avoided impact on the wetland, and found that that model, even if they had to invest a bit in restoring the wetland and making it, you know, fully functional as it could be, was going to cost them 2.5% of what the gray infrastructure option was going to cost. So they were able to go ahead with their subdivision, but do it differently, do it intelligently in a way that managed to protect a very, very key ecosystem asset in their community. Thank you for your question. I see here one problem and maybe one solution to address this issue. The problem, I don't know for Ottawa, but in Quebec, the average of dependency of the municipal revenues, it's at 70 to 75% dependent on the land use development and the tax income. So this is really a way that your only capacity to have more money and develop is through development. It's really a fast track to urban sprawling. In other geographies, you just look in Vermont, they have really more autonomy. There's a level of decentralization where a municipality can afford to buy or to protect key pieces of lands. So I think this is a way bigger problem and issue to address than just having values for natural capital. I think it's a level of how do we want our governance to be made and the level of autonomy of these different scales. And the other problem and maybe a solution is that there's to afford these $700,000 per hectare for that piece of land, you need some help, some subsidies.
And from the two-level government, there are subsidies for infrastructure. Look at the Green Fund for municipalities from Ottawa. I think it's close to $5 billion. And they call it the Green Fund, but they are only financing sewage and green infrastructure to manage water and to manage other environmental elements. They do not consider giving money and subsidies to protect natural infrastructure. So if this was an option to get money to protect these infrastructure in order to generate these services, maybe it could be a way to have a new money, new fiscal incentives to have the real option. And I realize I forgot a slide on, that's why I ended. It's back. So there was one slide, because following our natural infrastructure summit in Montreal, we had consensus on a demand to the Quebec government and the federal government to open up new funding streams for natural infrastructure so that nature should be considered infrastructure and have access to the same funding that grey infrastructure has. And so the demand right now to the federal government is in the range of $250 million per year, so $2.5 billion over 10 years, that would be specifically allocated to nature-based infrastructure. So that's not enough, but at least that's a start, because we want natural infrastructure to be recognized as infrastructure and to be able to compete with sewage or other infrastructure. We need to see nature not as an economic constraint and give the tools to acknowledge this. Question over here. Is there any federal laws that exist or will exist about putting green roof, reclaiming green space above federal buildings, parking lots, driveways, and maybe a law on future buildings being built and parking lots and driveways? For example, what about the federal roads that they built, the Trans-Canada Highway? That's taking a lot of green space, substituting the railway we lost. I don't know. We'd love to see the building code changed in Quebec, but it's like building codes are like income tax laws. It's like an old fridge where you put stuff in it and then you don't want to open the fridge anymore because you're too afraid of what you're going to find in there. So unfortunately, when we ask, for example, I know the Quebec situation, I don't know the federal situation, but whenever you ask to modify the building code, for example, to make it mandatory to have green roofs, or solar panels, or it's like developers hate it. They lobby against it, and it becomes very complicated. I know that some boroughs in Montreal have made it mandatory to have white roofs, so at least that we would reflect sunlight back into the atmosphere instead of just heating black roofs. So there are things that can be done, and I think through city bylaws you can have we can have local change, building codes that are provincial. But then I don't know the federal situation very much. But obviously there's some progress that can be made there, and especially when you think about reducing pressure on your grey infrastructure in the case of downpours, storms. If you have green roofs, if you have systems that collect water, rainwater, the first inch of rainwater is what you want to keep permeating into the soil or into roofs or anywhere but too quickly in the sewage system, because you end up with disturbance or overflows. Yeah.
maybe they can have an incentive by using the carbon tax we're collecting. I just wanted to add that I can't speak to the federal system, but you are seeing quite a bit of innovation in this sense at the local level, and that's where I think, you know, you kind of get a bit of a leapfrog effect. One municipality that's a leader can show the example to other municipalities. Vancouver has a very interesting new rainwater strategy that they've introduced, which is going to be requiring green roofs. And their rainwater strategy is specifically directed at capturing that first inch of rain that comes down. And it's got a very wide array of green infrastructure elements to how they're going to achieve that. It's very innovative. David Gordon from the Queen's University. The panel has ruined the old joke about economists being people who know the cost of everything and the value of nothing. This is wonderful research. Could you bring up the slide with the final map with the total value of the ecosystem? Can you roll that backwards? It was almost the last slide from Professor Duprat. I see that as a potential very valuable management tool for the National Capital Commission, and there's some interesting insights from looking at this map, if we can reach it. Can you roll the computer? Someone's going to try. Yeah. The reason I mention it is the Greenbelt on the Ontario side, as we all know, is a historical artifact of the Greber Plan from 1950, and it was sized to control urban sprawl because the National Capital Region would never be more than 500,000 people. So it's in the wrong place for that. And it was nicely repurposed in 1991, the starting of the thinking that the Greenbelt had an ecological role. But all the work we did in that era with Richard Scott and others was guesswork on what the value of the Greenbelt was. And this map is, I think, very helpful in terms of working out the ecological value. Oh, going the other way. Almost. And the reason I bring it up is, you know, I think it was, I don't believe, as some in Ottawa do, that the boundaries of the Greenbelt are sacred lines. They were done according to property availability and some incorrect assumptions about population growth in the 1950s. And there are some areas of the Greenbelt that are extraordinarily valuable, as we can see with Mare Bleue. And there are other areas which are much less valuable. So it offers the opportunity to do things like the expansion to help guide the region and the NCC to do things that were brilliant, like buying up the rest of the Mare Bleue, and so if I would say up further by Torbay, and possibly looking at some nibbling on the inside edge, where the lands that are very pale yellow, very low ecological value, have very high economic value and possibly institutional value, as we saw in debates about hospitals recently. So I can see terrific opportunities for adjustment for boundaries of this to increase the ecological value of the Greenbelt by small subtractions on the inside and great additions on the outside. Now, is that a bad reading of your plan? Well. The concept of green belt have emerged in the late 30s, and one of the first international example is here in Ottawa in 56, but it has migrated into a new concept of green networks, yes, ecological networks. So I think it's true, and you're right that we could look at this connectivity and how species and matter move into the landscape and make good connection between the green belt and the Parc Gatineau. After that, these are, I think, political decisions about the boundaries,
I would be more in a way to add than subtract. Mm-hmm. But I think there are great opportunities to add, and there are strategic science-based decisions that could be made to help enhance the connectivity between the Greenbelt, the Parc de Gatineau, and the other surrounding ecosystem. So this is an economic lecture of this portrait and this diagnosis, but there are other tools that could be good. From landscape ecology. Landscape ecology, how different key species can be. Karel presented some of these approach we're using, where we're looking at the pattern of distribution and demands in terms of moving into space of some species, and then we model it through different global pressures, climate change, urban sprawling, and we see what are the key channels that could be secured for the region resilience and sustainability in the future. So I think we're like building on the shoulder of giant here. Mm-hmm. It's something that's been for decades well known. There's a social acceptability. So I think we need, my two cents, it would be we really need to secure this and add it, because it generates so much ecosystem services and it will benefit to all and the future generations. And I think this is very helpful in showing where the additions can be useful. Exactly, yeah. Thank you, Mr. Gordon. Do you want to add, Stephanie? Yeah, I was just going to add that in the U.S. we do see different types of trading for ecosystem services, and some quite interesting innovations around using that as a mechanism to allow development in certain areas, but only if it's offset somewhere else. Now, I bring this up with some hesitation because, first of all, if you're looking at restoring land, the record is that you can never fully restore all ecosystem functions. And also because, this map is a stacking of a whole bunch of different ecosystem service values. And while, if you put 8 of them together in a stack, it looked like maybe lower value, there may be one of those ecosystem services that has a very high value in there. And it's harder to figure that out by looking at this type of map. But I think there is some interesting work that's worth looking at if you're thinking of flexibility. Over here, please. Thank you very much. I want to kind of congratulate and be able to be grateful for this marvelous panel and the quality of which you are exposing us. I want to thank the National Capital Commission because they are true to their mandate. I am a writer and I tend to be very observant. And as such, what I see is that many developer land that is waiting to be developed are now being turned into urban gardens. And I see universities actually with pilot projects having to convert parking lots into electric parking lots. And I see, for instance, projects as well in the universities. I'm so proud of universities for the seat of knowledge that they are now engaged in intelligent discourse, including nature, which we are 70% of, because we're 70% water. We are filters of her. If she's unhealthy, we are unhealthy. It just goes together. Therefore, their mandate for the NCC, who has been protecting and the ecology corridors and also making sure that everything that is bicycle paths are interconnected, I would want to paraphrase one leader that we all know to respect, and her quote is, and this is Angela Merkel, is that, yes, we have to have change, but the question is, are we changing fast enough? And I would call on the leaders to be bold, because if Vancouver can do what the successful models that are out there with capturing the first inch of rainfall, and I think the NCC and their participation in getting rain barrels to citizens, it's not bold enough. Go look at the models and be bold. We need that, and we thank you. Thank you very much. Maybe just thank you for your comment. Maybe just to respond in some way. That just want to say that maybe sometimes you see that there's a piece of land, an agricultural land abandoned, and you think that there's no value. But this is like just
a natural perspective. And when you transform your natural capital or your agricultural in urban development, there's some way irreversibility. You cannot go back in time, but if you leave nature and the human to have the possibility to transform these spaces, maybe it's a dynamic, it's a flexible process, and in a couple of years it can become a highly valuable place. I think about like the Moor farm that was quite abandoned in the past year and now is one of the key success story of the region in the agricultural dynamics. So maybe just to keep these option values instead of just, okay, there's no value, we can develop, we can sell, we can, just keeping option, it will give us space for future ideas, future generation that will come and will have their own creativity and will be in contact with nature. So. Hi. I was wondering if you think it is ideal to value ecosystem services purely from a human perspective, because a lot of areas that we might value as being ideal for human uses and ecosystem services might not also be productive for biodiversity or other organisms. And in only protecting the ecosystem service, does it actually help any of the other organisms not in that land? Like in the example of your wetland, they might have altered their design to keep the structure and function of the wetland the same, but what about all of the organisms, such as the amphibians, who might also need that land? Will they still use those ecosystems now that they've been developed in or around? And do you think that it is, as you pointed out, potentially dangerous to be valuing ecosystems in these ways when in political or sometimes land planning debates, it might come down to a purely numbers value when, in fact, like we said, nature can't be valued? Or is priceless, I should say. Yeah, thanks. I just want to quote my friend and professor at UCO, Christian Messi, who always said that all models are wrong. But we need them in some way. Right. So the economic valuation of nature is a very limited approach. And we do this because we need, at some point, to include the nature and environment in a new way into existing processes. So if we're standing as observer and if we add the latitude to think from scratch, a white page, I don't think this anthropocentric perspective will be reliable, or maybe it wouldn't have more weight than other biocentrist approach or traditional knowledge, but We're stuck with processes. We're stuck with tools and decision. We have we elect people. So in some point, we need to try to enhance, to ameliorate these existing processes, hoping that there will be some change and this change will come to some more benefit change. But you're right that the ecosystem services, we never address the ecosystem disservices. Mm-hmm. You know, we're not looking at the global portrait of it, and the monetary value is also limited, but you need to frame it in a more pragmatic process that is ongoing. Do you think that we could update sort of studies that you do with ecosystem measures to sort of start to bring in the use of the other organisms beside humans? So the main perspective will likely still be humans, as is the only thing we can do, but also bringing in the use to animals, so it's not just we only have a value of $100,000 for this land, but it might also be the only location of this species, or you know, it's an imperiled population. Mm. Yeah, and some point, some decisions are made on economic basis, but other are made on on politics, on the other system of value. Actually, we are making the choice, the global human choice, to don't want to have any coral reef ever. Because a raise of 2 degrees Celsius will change the acidity, the temperature of the water, and all scientists say that in the next century, there's likely that there will be no more coral reef. So now actually we're making the decision that we want to go into fossil fuel, still fossil fuel economy. We don't want to put all the energy, but at some point, we're always, every day, making decisions that are actual, decisions that are the midterm, the long term. So the things you're saying are the same. So I think we have the tools, we know how to do it, we know that there's like a connectivity-based planning. We could certainly make the region more suitable for many species,
But at some point, it's not an economic perspective, it's a global, holistic decision that we collectively made. Yeah. All right, thank you. Thanks. I'll just speak to it a little bit as well. I think that the discipline tries to address that. If you look at supporting services and say habitat is a core supporting service, but then you get into the challenge of how do you put an economic value on it, and you can get into elaborate methodologies on that, but there is at least a recognition in the approach that of the issues that you raise. But on a more fundamental level, what we're really, economics is the language of humans. I mean, no other species cares about this weird thing that we are so obsessed with. And essentially, in trying to monetize and put economic value on stuff, we're trying to find a way to bring it into our discourse, in our decision making, in a metric that everyone can relate to, because that does seem to be the dominant metric in our society. And maybe that's not sufficient. You know, it's probably a good thing to be adding that into our conversations, but I doubt that it's a sufficient thing to solve all the really difficult ecological issues that we face. But it's a pretty big step forward, I think. I think value is a key word here, because value means what something is worth, but values are also what is important to us. And the value we assign on things is basically driven from the values that we share as a collectivity. And I would suggest that right now our values are wrong, and so therefore we don't value the right things. Mm. And so the exercise we're trying to do is to put a value on things that have no value, to try to make them visible to decision makers. And then we end up sometimes in a situation where probably it has much more value economically to build a parking space on a wetland when it's completely absurd to do that. Mm-hmm. And so the other thing we need to do is to change the values in our economic systems, which is basically what an organization like mine is trying to do. But try to explain this to people who think that we need to raise greenhouse gas emissions to fund energy transition. And economically, it makes sense. Scientifically, it doesn't. And so we're always faced with these situations. So I think the work that we do in trying to put a value on ecosystems, I think has an educational value that is very important. But I think the real thing to do is to put the eco back into economics. Mm-hmm. Mm-hmm. We have, unfortunately, just time for one more question. This lady's been waiting. Yes, good evening. My name's Judith Matheson, and I live in Gatineau-Aylmer. And I want to thank the NCC and all the speakers tonight. You're speaking the language that the ordinary grassroots citizens, particularly of Ottawa, Gatineau, and throughout the world are awakening to. And that is the language that this speaker just spoke to, the new economy being ecology. And I'm going to speak and bring us back to the significance of trees, because I'm a citizen of the world that's lived in six cultures and has lived in Ottawa, Gatineau, first in 1961 coming to this region, and since 1986. And I live on one of the busiest streets in Gatineau-Aylmer. And I learn from every person I speak to, because I have a deep concern for what we're doing to our own environments. As an older person with many gray hairs, I see what we're doing to our natural world and to the quality of our own life is detrimental to health and to well-being. They say that a great indicator of an involved and evolved culture is how we care for our children and our sick and our elderly. The earth is heating up, and on my street that only has 12 houses, in the last year, I have seen 5 mature trees had to be cut down. It takes hundreds of years for these trees to sometimes grow, such as the endangered butternut tree. And in my neighbor's backyard,
is an endangered butternut tree. And I've been told by an arborist who came to care for my oak tree that my oak tree, the nervous system of the tree, is very, very sick. Because trees do not heal, they feel. And the noise and the traffic on Bordeaux Street since 1986 is getting louder and faster with diesel buses and diesel school buses and STO and pedestrians trying to walk in a safe area on a path that's one of the major arteries leading to the core of Aylmer. And so my question is this to all you panelists. I've been told that in the province of Ontario, they have a wonderful provincial regulation. When you have a sick butternut tree that is probably suffering from canker disease, as many trees do, the province requires the homeowner to have that tree visited by a specialist in butternut trees and to evaluate that tree. Has it got canker disease? Is it savable? How far along is the disease? Or does this tree need to be cut down? Because they're magnificent. And if it falls, it's going to injure people. And in the early days of Aylmer, like many major cities throughout Canada, we did not have bylaws. People just put trees, big trees, in their little backyards. And those trees have grown now. And with climate change and the earth heating up and the high winds, the trees and the roots of the trees are invaluable for helping with the many different floods and rains because the tree's roots help to take in the water. So we need, as this arborist told me, we need as citizens to have the NCC do many more workshops like this that invite the citizens of this region to be as responsible as our many politicians, to learn how to protect the trees, how to care for the trees. And it's just in the last 10 or 15 years that we're beginning to see that the trees are under siege, and so is the aging population with more autoimmune disease, such as cancer and youth committing suicide. So the stress... I'm going to have to just ask you to ask a question because we're just wrapping up. Well, the stress that we're living in the urban environments that we're all responsible for creating, I would like one answer from each of our guest panelists today. How can we get more concerned, compassionate, passionate people involved to support you and the NCC? Thank you very much. Well, that's, I guess that's my job. That's what we're trying to do. Someone earlier said we're made of 70% of water. And the water is filtered through us, literally. The water cycle goes through us. And somehow we still think water is that thing out there and we're, you know, independent from water. I drink water from the St. Lawrence River every day. How can I, like, and I'm made of St. Lawrence water, 70%. How can I see a distance from, like, from the natural world? But people really see the St. Lawrence as an obstacle that they have to cross every day because they want to drive downtown Montreal. So that's some understanding the role of water for us is one way. For trees, it's the same thing. So I ran into, I read something at some point that really changed the way I was seeing trees. If you look at the molecule of hemoglobin, how do you say that? Is it hemoglobin? And the molecule of chlorophyll. They're exactly the same, except for the core, which is magnesium or iron. So one is red because iron turns blood red, and you know the other one is green because magnesium turns green. One transforms CO2 into oxygen, and the other one takes oxygen and transforms it into CO2. So basically, when you see a tree, at your deepest core, in your heart, your partner with that tree. So if more people understand that and can experience that kind of epiphany, and I know it's quite like I'm a geek, but there's another way, there's other ways of telling that story to children
so that the my children are in the sixth grade now. They learned about photosynthesis earlier this year, and but they didn't learn about the connection between us and photosynthesis. So photosynthesis is that kind of scientific experiment done by nature that have nothing to do with them. So I told them the story of the molecules, and they went, wow. And I think the way we teach nature and the way we teach science is problematic, and I think there's more we can do to raise awareness. But I can tell you, people that who have trees in front of their house love those trees. They want to preserve, they want to protect them, and I think there's that connection is natural, but sometimes we lose it. And the last thing I want to say, my colleague Faisal Moula in Toronto published a study in Nature where they looked at a street with trees and a street without trees on it. And the difference in the, what's the word here? L'expérience de vie? Life expectancy. So the difference in life expectancy between the two cities was equivalent to having a difference of $10,000 in annual income on one tree, on one street and another per household. So if you want to, when we talk about prosperity and ensuring good quality of life for people, if you have trees on a street, it's like increasing income by $10,000 for every household. That's a lot of money. That's a lot of money, and that's not like a big investment, because planting a tree will cost you probably around, on like downtown city, will cost you probably around $500, maximum like $1,000. And it's going to bring $10,000 in terms of like equivalent revenues for everyone and raise life expectancy by years. Not a bad investment, but somehow this is not understood. So that story has to be repeated and repeated and repeated all the time. Yeah, I just want to answer with a quick anecdote that I was told by Pierre Jutras, who is the chief forester for the city of Montreal, and he was asked to react. There's now in Montreal we're redoing all the Turco Highway échangeur interchange. So they mandate an architecture firm to do like what based on the demands and the needs and roads and etc. So they arrive with like a maquette like this, very nice, and they ask Pierre, okay, what do you think of it? Well, we've seen old growth trees and people walking around. The way you've planted these trees, no tree will grow older than 10 years. You don't give them the chance to live. It's all surrounded by tar and et cetera. So I think just to give an insight on how we should do things, we should have a more interdisciplinary projects. So when we think about these infrastructure in cities, we need teams with different disciplinary approach and try to have these upstream discussion before having just like a project that is already made up. And well, do you have any comments? So go upstream and put biologists in the, in the discussion. Thank you very much. Okay, well, thank you very much. Merci beaucoup pour votre intérêt suscité. Puis vos belles questions. Puis on tient à remercier tous les présentateurs ce soir. Oh, yes, of course. And thank you to our special guest tonight from Queens, from Kingston, who have a great display for us behind the lab, Urbanism Lab, too. So it was great to have the youth in the room. You have to take all this away and do something positive with it. So, donc, merci encore à tout le monde. J'ai des petits cadeaux pour nos invités. Et puis, I don't know what it is. Christmas mug. So please join me in thanking them. Thank you.